Bonjour, chers amis. Bienvenue sur le blog Apprendre l'accordéon et la chaîne Apprendre l'accordéon. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer avec un titre, après ces petites explications, je vous montre comment se déroule un cours dans la formation, puisque certains se posent des questions, comment on sait. Comment on fait, c'est quoi les PDF, c'est quoi les vidéos. Et donc, ben, aujourd'hui, je profite de ce titre enregistré en répétition avec Loulou Ouban, mon fidèle compagnon au piano, de vous présenter un petit peu ce titre Magellan et une étude qui fait l'objet d'un cours dans la formation. Donc vous pouvez voir ce titre en PDF, vous voyez, il commence tout simplement avec une mélodie de 4 notes sur une mesure à 5 temps. Donc il n'y a que 4 notes, mi, ré, do et si. Et donc avec ces 4 notes, j'ai conçu ce thème avec bien sûr des harmonies très intéressantes et très jolies sur une mesure à 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je l'enrichis petit à petit, vous voyez, je mets ben, des accompagnements un petit peu de plus en plus placés, un petit peu différemment. Bien sûr, il y a eu des cours avant hein, sur l'étude du trois temps, de la façon d'aborder le trois temps, le six suite, le mélange. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez beaucoup plus de facilité à venir. Dans ce cours, bien entendu, avec les accords, les basses, la mélodie. Ensuite, on rajoute les accords sur la mélodie. Je vous explique comment. Voilà. Ensuite, bien entendu, une ligne de basse qui va arriver. Vous voyez? Voilà. Je vous mets une ligne de basse et je vous écris comment je pense, qu'est-ce que j'utilise par rapport à l'accord. Quelle gamme j'utilise, vous voyez, à partir de quelle note, en fonction des accords et en fonction de la mélodie. Bien sûr, tout ça dans le but de vous aider. Et bien sûr, après, des variations qui sont des impros auxquelles je pense sur le moment et je vous les écris. Voilà, une version ici et une deuxième en dessous, voilà, avec les accompagnements. Et puis des variations encore qui continuent avec un peu de technique pour travailler. Donc je vous montre un petit peu la vidéo aussi, bien entendu. Alors voilà. Allez, on va prendre ici au hasard. Je vais mettre en plein écran. Et comme ça, vous voyez un petit peu comment se passe, comment on travaille. Voilà, tout ça, c'est écrit. Voilà le fameux passage de basse. Voyez, c'est un chant de basse. Travaillez-le presque plus par cœur. Je vous dis comment c'est placé, qu'est-ce que j'utilise, et donc voilà. Donc voilà, je suis tombé pile poil sur ce passage de basse écrit, vous voyez, que je vous ai montré. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder, mais vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez, bon là, nous sommes au module 3, par exemple, et voilà, improvisation, implication sur mineur swing, bien sûr, il y a eu des cours avant, le choro, étude du choro, la musique du sud-est du Brésil. Ensuite, bon, le Magellan. Que je vous montre ici, des phrases mélodiques aussi pour le développement des gammes et techniques improvisation, rythme et percussion vocale. Bien sûr, on peut aller voir d'autres modules, par exemple, oh, allez, on va au deuxième module. Voilà, par exemple, l'étude de la valse, comment travailler ces techniques et ces gammes, le rythme du forró. Vous voyez, il y a deux chapitres là-dessus. Le shot, qui est un reggae brésilien, mais nous avons aussi le reggae en étude, l'improvisation et approche tonale très importante pour improviser. Voilà, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Au module 4, nous avons des choses intéressantes. Le reggae, justement, de basse main gauche et accompagnement,
vraiment tous les secrets, improvisation et mode pentatonique pour improviser, voilà. Le forró baião, quoi, hein. Voilà, la musique du nord-est du Brésil, un développement et une harmonisation avec un pro sur un thème. Et ensuite, je vous dévoile aussi les principaux modes à travailler, tous les modes pour pouvoir être libre, voilà, et avec les accords. Et ensuite, bien sûr, quoi utiliser sur les accords, ainsi de suite. Bien sûr, c'est une formation très complète. Donc, je vous invite, chers amis, à venir rejoindre les VIP. Ils sont plus d'une centaine, ils sont nombreux et ils sont satisfaits, ravis. Vous pouvez le voir par les témoignages, mais chaque jour, je reçois des messages d'amour et de remerciements, car ils retrouvent ici, dans cette formation, quelque chose d'unique, quelque chose qui s'adapte à leur rythme. Encore hier, j'avais un de mes élèves au téléphone qui me dit, c'est super ta formation, parce que je peux m'arrêter un petit peu, je peux la reprendre. Et ça, c'est que du bonheur pour eux. Et ils apprennent chacun à son rythme, que vous soyez débutant, intermédiaire ou pro, vous avancez à votre rythme. Bien entendu. Chers amis, je vous salue, je vous dis à très vite pour un prochain tuto et surtout bonne écoute de ce titre majeur, piano et accordéon. Et rendez-vous de l'autre côté, chez les VIP. Ok? Au revoir, chers amis. Un salut de Nouméa.